Salut, je sais pas si vous allez réussir à bien m'entendre parce qu'il y a la musique derrière. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de rugby, comme la première de ma chaîne YouTube. Sauf que cette fois-ci, c'est pas de la nationale, c'est des semblants de top 14, c'est un match de préparation de top 14 entre Castres et Montpellier. Et on, je suis au bord de pelouse pour faire les photos et c'est vraiment génial. Juin, duel entre les deux premiers de saison régulière avec un CO à la recherche de... On revoit le geste décisif de Mercer et Arthur Vincent qui a fait son retour de blessure sur la fin de saison qui termine cet axe. Au pied, un rebond qui cette fois est favorable au CO et à Villimoni Botitou pour récupérer devant les 40 mètres, prendre le meilleur sur son défenseur afin de marquer l'essai et de sauver l'honneur dans cette finale. 29 à 10, cette fois la sirène retentit, coup de pied en dehors des limites, c'est fait pour Montpellier, sacré champion de France 2020. De joie avant se lever de bouclier. Alors, je ne sais pas si je l'ai expliqué dans la vidéo, je ne sais pas si on l'a entendu dans la vidéo précédente avec la musique, mais ce match est un match de préparation de top 14 entre Castres et Montpellier qui se joue en Corse au stade du Sporting Club de Bastia, Armanche, ça. C'est un match en Corse car la Ligue de rugby est partenaire avec le MHR, le Montpellier au rugby. Et pour l'instant, ça commence à être un beau match avec de l'intensité comme vous pouvez entendre. C'est assez mitigé, bon, ça fait 4 minutes que ça joue, c'est normal. J'ai aussi mis des actions de jeu parce que Montpellier a un bon ballon pour casser les lignes de Castres. Come on!
Deuxième essai pour Montpellier. Voilà, deuxième essai pour Montpellier. Après, deuxième essai transformé pour Montpellier. Après. Transformation du numéro 10, Louis Carbonel. Après 5 grosses minutes de casse dans les 22 adverses. Sur une contre-attaque en 3-4 passes, ils ont traversé tout le terrain pour aller marquer. Bravo à Montpellier. Transformation numéro 10, Louis Carbonel. 21-6 pour Montpellier, ils ont marqué un troisième essai juste avant la mi-temps. Ils sont efficaces, trois actions, trois essais, enfin, à chaque fois ça termine par un essai. Castres qui domine, je pense, niveau possession, mais il se bute à une défense de Montpellier trop solide pour eux, je pense. Ils ont quand même réussi à passer deux pénalités qui ont un peu réduit le score. Mais... Reprise de la deuxième mi-temps. On va voir si Castres se réveille ou si Montpellier assure sa domination. La deuxième mi-temps a repris il y a à peine 5 minutes. Et encore un essai de Montpellier. Le quatrième, transformé. Transformation pour Montpellier. 28-6. Les Castres ont réussi à marquer un essai, 28-13. Et ça a été dur, mais ils peuvent encore remonter, il reste beaucoup de temps encore. C'est que la 55e minute. Ça risque d'être une fin de match palpitante. Je me suis un peu déplacé, je me suis mis derrière la ligne en but pour essayer d'avoir un meilleur angle. L'essai de Castres, je l'ai photographié derrière la ligne en but, j'ai trouvé que c'était mieux. On va continuer comme ça, j'espère que les Castrés vont revenir marquer des essais proches de moi pour me faire de belles photos. Il y a eu des tirages de maillots, ça s'est un peu pris la tête. Les Castrés ont l'air de renverser la tendance. Là, ça fait déjà deux phases de jeu qui renversent. Ils viennent de récupérer une touche pas droite. Ça part en mêlée. À mon avis, ils peuvent aller chercher quelque chose dans ce match.
Deuxième essai du Castres Olympique, ils reviennent à 10 points, quasiment sous les poteaux, donc la transformation devrait être facile. Plus que, on va dire, 8 points à rattraper après la transformation s'il a réussi. Tout est encore jouable, hein. Il reste 15 bonnes minutes. Contre-ruck sur contre-ruck, ils récupèrent tout là, les Castres, ils sont vraiment rentrés dans un autre match. On a l'impression que les Montpelliérains lâchent complètement leur partie. Ça va être 10 minutes de folie. Les 10 dernières minutes, ça va être 10 minutes de folie. Montpellier vient de passer la pénalité de la gagne parce qu'il remet Castres à 8 points et le match va se terminer dans quelques secondes, donc même si Castres marque un essai transformé, ils perdront le match d'un malheureux point. En tout cas, très belle deuxième mi-temps. Fin du match, 31-23, victoire de Montpellier. Belle victoire, belle deuxième période. Je pense que j'ai fait pas mal de belles photos. J'espère en tout cas. Le lendemain du match de rugby, j'ai ma publication dans le journal avec une photo de Mélie. Et voilà, petit débrief, hein, malgré que ce soit un match de préparation, il y avait quand même du beau monde sur le terrain. Il y avait Babio, Patin, Dumora, Palisse du côté de Castres. Puis du côté de Montpellier, Williamson, Douman, Carbonel, Boutier, enfin c'est quand même des grands noms du rugby français.